Mais quoi? Non, mais pas du tout, mais pas du tout. Elle va pas faire des pâtes avec des poivrons. Bah non, elle va faire de la sauce. Bah ouais. Bonjour mes chers nutriconscients, aujourd'hui nous allons réaliser des noodles de riz. Non, ce ne sont pas des noodles de riz parce qu'en fait on va avoir ça comme base, mais bon, vous pourriez très bien avoir des pâtes avec gluten, là c'est sans gluten. Non, ce qu'on va réaliser aujourd'hui c'est la sauce au poivron, une sauce au poivron délicieuse et à la feta. Alors c'est parti pour la recette. On rince, on coupe et on vide le poivron. On épluche l'ail, l'échalote et on enlève la petite germe à l'intérieur. On fait cuire 10 minutes le poivron, l'ail, l'échalote au vitaliseur de Marion ou à l'eau ou à la vapeur si vous n'avez pas de vitaliseur. On met tous les ingrédients, absolument tous les ingrédients dans un blender avec de l'eau chaude pour mixer l'ensemble. La sauce est prête à être utilisée de suite. Vous préparez donc pendant ce temps-là vos pâtes, ici sans gluten. Je ne vais pas consommer toute ma sauce, donc je la mets dans un récipient pour la congeler et l'utiliser à un autre moment. Voilà, voilà, mes chers NutriConscients, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que cette recette de sauce au poivron pour changer un petit peu de la sauce tomate classique vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires juste en dessous si vous aviez déjà réalisé cette recette ou sinon quelle est votre recette favorite avec les pâtes de riz. Pensez à mettre un pouce sous la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube Off Course. Surtout, prenez bien soin de vous mes chers NutriConscients, on se retrouve tout bientôt. Bye bye.